m'appelle Eric Labatte, j'ai 30 ans, je suis bruxellois, né à Bruxelles, j'ai grandi aussi à Bruxelles. Récemment j'ai fait la Nouvelle Star et je suis auteur, compositeur, interprète. Alors j'ai été démarché en fait par des casteurs parisiens qui donc cherchaient des artistes affirmés et qui avaient déjà un style bien concret et on peut dire du talent. Et voilà, ils sont venus à Bruxelles. Ils m'ont dit de chanter une chanson, ce que j'ai fait, ça avait l'air emballé, et ils m'ont dit que voilà, c'était pour la télé, qu'il y avait une émission qui allait être diffusée en France, sur une chaîne nationale ou internationale, et que je convenais vraiment au profil et que ce serait vraiment profitable pour moi. Alors moi, mon inspiration dans la musique, elle vient du gospel, quelque part, parce que quand on était petit, leur mère chantait beaucoup de louanges, soit en lingala, en chiluba, un peu en anglais ou en français. Et donc, ça a toujours été dans notre culture. Il y a des moments où j'avais plus aucun autre recours. Ben, la musique m'a quand même protégé, m'a abordé, m'a soulevé, m'a élevé. Et donc voilà, j'ai déjà sorti pas mal de trucs en collaboration avec beaucoup d'artistes belges, artistes anglais, espagnols, suisses, français, même norvégiens pour dire. J'ai beaucoup travaillé avec des artistes dans la rue aussi. Et donc là maintenant je suis en train de travailler sur un single, un EP et un album qui vont bientôt sortir. Et d'ailleurs de mon album il y a une petite exclusivité que vous pourrez trouver sur YouTube, un morceau qui s'appelle If Only, Eric Labatte sur YouTube. Ça s'est dit. I bet you got it all figured out. I bet you wrote the whole thing down.